Bonjour, bonjour ou bonsoir selon le pays d'où vous nous prenez en marche. Je voudrais vraiment faire cette petite vidéo pour vous dire soyez les bienvenus à notre programme intitulé La Nuit des Vainqueurs. La Nuit des Vainqueurs est un programme de jeûne et de veillée de prière personnelle d'où nous allons conduire le peuple, je vais conduire le peuple à jeûner, à prier et à traiter à fond certains problèmes qui n'ont que pour durer avec eux. Voilà, c'est un programme qui a été organisé pour pouvoir aider les enfants de Dieu dans le combat spirituel, durant lequel nous allons prier ensemble, soit en ligne ou individuellement, mais l'objectif est toujours d'aider les participants à gagner leur bataille. Vous savez, beaucoup d'individus ont des problèmes qu'ils n'arrivent pas à traiter comme il faut, et ce parce que les stratégies pour traiter ces problèmes ne sont pas vraiment à leur disposition. Il est important qu'un chrétien puisse savoir comment affronter certains problèmes afin de les éradiquer. Je vous garantis que si seulement les enfants de Dieu avaient une connaissance liée au combat spirituel pour pouvoir vraiment affronter certains problèmes, je suis sûr que beaucoup de problèmes seraient déjà réglés. Faute de connaissance, le peuple de Dieu périt selon le Osée 4. Mais il n'y a pas seulement que faute de connaissance que certains périssent, mais beaucoup de gens périssent tout simplement parce qu'ils ne savent pas prier, ils ne savent pas affronter certaines situations. Tout comme la parole de Dieu nous dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Alors, durant ce programme intitulé « La nuit des vainqueurs », j'aimerais que chaque individu qui va participer à ce programme décide de prier de 3h du matin jusqu'à, de minuit à 3h du matin. C'est une veillée personnelle qui aura lieu dans plein de pays du monde, étant donné qu'il y a des fuseaux horaires différents. De ce fait, on ne pourra pas dire aux gens « minuit du Canada » parce que minuit du Canada peut être 6h du matin de la France, vous comprenez. Si on veut aussi faire ça, par exemple, à minuit de la France, ça sera 18h du Canada, d'où, c'est-à-dire que pendant qu'on dit la nuit des vainqueurs, qui devrait commencer de minuit à 3h du matin, cela va décaler beaucoup de personnes. Donc, ce qu'on va faire, c'est de faire des programmes de manière collective, de sorte à ce que nous puissions prier ensemble, mais de manière personnelle, chacun devra prendre ce programme à cœur, c'est-à-dire, et prendre la résolution de prier de minuit à 3h du matin et d'adresser réellement, rigoureusement et vigoureusement ces problèmes. En plus de cela, ce programme sera accompagné d'un jeûne durant lequel l'individu concerné ou celui qui veut participer peut tout simplement décider de prier 3 fois par jour et ce, 2h30, 3 fois par jour jusqu'au soir. Le programme sera mis à votre disposition et les mesures seront prises pour le bon fonctionnement et le bon déroulement de notre programme intitulé « La nuit des vainqueurs » parce que l'objectif n'est pas juste de donner un titre pour impressionner les gens ou attirer la foule, mais l'objectif c'est de faire en sorte que, au sorti de ce programme et de ce moment de jeûne et de prière, il faut que les gens sachent qu'ils ont vraiment été vainqueurs. Et pour ce faire, nous allons mettre à leur disposition des informations, des vidéos, des lignes directrices, de sorte à ce que celui qui prie sache non seulement comment commencer, mais aussi comment procéder et comment terminer. En plus de cela, il faut que l'individu concerné sache aussi quelles sont les mesures à prendre après son moment de jeûne et prière. Parce que beaucoup de gens prennent des moments de jeûne et prière et après, ils ne savent même pas comment gérer les circonstances imprévisibles qui adviennent au cours de leur jeûne. Donc, durant ce programme intitulé « La nuit des vainqueurs », j'aimerais vraiment que le participant ou tous ceux qui vont participer sentent vraiment la nécessité, vraiment sentent que c'était vraiment nécessaire, d'avoir participé à ce programme. La nuit des vainqueurs a été programmée pour vous, a été organisée pour vous, comme l'un de nos plus grands programmes qui a touché tellement de monde, qui a été vu à près de 100 000 fois, le rendez-vous avec le destin. La nuit des vainqueurs vient encore pour appuyer le rendez-vous avec le destin et beaucoup de programmes que nous avions faits, de sorte à ce que chaque fois que vous aviez besoin de combattre, de prier, de réclamer quelque chose, vous sachez comment le faire. Ce programme a été organisé pour vous. Vous n'avez tout simplement qu'à vous connecter sur notre site internet au
océandegrâce.com. Les informations seront à votre disponibilité, à votre disposition, je vous l'ai dit, pour que vous puissiez vraiment vous en servir, pour être guidé, pour être orienté et pour pouvoir bien orienter vos prières. Et souvent, il arrivera des moments où nous allons prier de minuit à 3 heures du matin, heure du Canada, ou juste avant ça, selon l'inspiration de l'Esprit de Dieu, pour que nous puissions vraiment prendre les mesures afin de réussir notre programme et de devenir des vrais vainqueurs. Que le Seigneur vous bénisse et on se dit à très bientôt à la nuit des vainqueurs. Que le Seigneur vous accompagne, vous fortifie et vous prépare à gagner. C'était Eloge Ekissi pour la nuit des vainqueurs. Notre site internet est le www.océandesgrâces.com. www.océandesgrâces.com. Merci. C'était l'évangéliste Eloge Ekissi pour la nuit des vainqueurs.